Les énergies nouvelles et réparties répondent aux problèmes jusqu'alors non résolus de pollution massive et de dépendance des ressources fossiles. Si certains combustibles réduisent l'émission de gaz à effet de serre, ici le GPL, ils ne règlent pas la dépendance aux énergies fossiles. L'énergie la plus disponible sur Terre est assurément celle du soleil. Les végétaux, par la photosynthèse, assurent ainsi leur développement. Cela fait près d'un siècle que les propriétés photovoltaïques de certains matériaux ont été découvertes. Ce n'est que durant ces dernières décennies que l'utilisation des panneaux photovoltaïques s'est intensifiée. Ici, toute l'électricité produite sur le toit est réinjectée dans le réseau localement ou consommée sur place.